À présent, je vais compter. S'il y a des gens derrière moi qui veulent passer devant, ils peuvent. S'ils m'entendent comme ça, qu'ils restent là où ils sont. Djinns chez les djinns. Les djinns sont des personnages de conte et non des pantalons. Ils sont si capricieux qu'on ne peut ni prévoir, ni expliquer leurs actions. Oui, oui, vous pouvez vous approcher. Qu'on ne peut ni prévoir, ni expliquer leurs actions quand on est un simple humain. Ainsi, Arras, asseyez-vous, l'un des plus grands djinns de l'étoile Sirius, décida un jour d'enlever un enfant de la terre et de l'élever. Donc Arras se rendit dans une maternité et emporta un bébé, un garçon prénommé Djinn, comme c'était écrit au pied de son lit. Djinn fut installé dans le palais d'Arras, où plusieurs djinns serviteurs s'occupèrent de l'enfant. Chez les djinns, chacun respecte une hiérarchie. Les uns sont rois, les autres sont valets, mais on peut changer d'ordre au fur et à mesure de ses humeurs. Arras confia ensuite l'enfant au djinn couturier, si bien qu'il grandit au milieu de tissus précieux, de bruits de machines à coudre, mais surtout de chuchotements, car les djinns fabriquent avec des paroles magiques et ne se servent de machines à coudre que quand ils se trompent dans leur formule, qu'ils éternuent ou toussent. Les formules sont des poèmes comme « Souvent, occupé par l'esprit des vents, Isis, en soufflant, effraie les enfants. » Ces phrases ont peu de signification, mais elles permettent de faire venir sous les doigts soit coton, dentelle, lin ou velours, et de créer de suite le vêtement que l'on souhaite. Djinn a pris toutes ces formules, si bien qu'il aurait pu devenir un couturier de première importance s'il ne lui avait pas été constamment reproché de n'être qu'un simple terrien. Arras s'était depuis longtemps désintéressé de lui. Il ne savait même plus qui il était. Et tout le monde dans son palais s'occupait et se désintéressait du garçon qui était le seul à avoir une constance dans ses sentiments. Tout petit, il crut pouvoir s'attacher à son ravisseur, mais il ne le vit plus. Et ainsi de suite, dès qu'il s'attachait à quelqu'un, cet être disparaissait. Aussi, bien des fois, il regretta de n'avoir ni parents, ni frères, ni sœurs, des gens à aimer, avec qui vivre au quotidien. Mais qu'est-ce que le quotidien chez les djinns ? Où aucun soleil ne tourne autour d'aucune terre, où les heures fantaisistes peuvent durer une demi-heure si elles sont pressées, ou des jours si elles sont contentes. Il n'est pas de djinns qui, quand ils se rencontrent, peuvent dire quel jour ils sont. Dans ce royaume, Djinn ne sait s'il a 2 ou 30 ans. Il passe son temps à créer des vêtements qui ne servent à rien, car les djinns s'habillent de nuages électriques. Mais ils consentent, quand l'envie leur en prend, à habiller des créatures célestes, des dieux, des anges, des dragons, des saints. Les dieux sont difficiles à habiller de par leur immensité. Pour confectionner le pantalon d'un Bouddha, les djinns répètent des centaines de fois la même phrase afin d'obtenir la quantité nécessaire de tissu. Des milliers de djinns psalmodient. Saute, saute dans la douceur, après la petite balle son cœur, tire, tire, et c'est ta sœur inattendue. Quel bonheur nimbe nos vies pleines de leurs. Le pantalon du Bouddha prend forme tout seul, s'envole à une vitesse infinie et atteint le client au nirvana. Djinn a acquis une dextérité et une mémoire que ses compagnons lui envient. Sa réputation dépasse les états des djinns et par-delà les cités des anges atteint la demeure d'un dieu inconnu, Luigi.
Or, Luigi est soucieux. Il a un ami sur une petite planète qui lui réclame depuis longtemps une chemise de flanelle et personne ne connaît plus la formule de la flanelle. Luigi cherche partout et entend parler de Zin. D'abord, en voyant arriver cette masse énorme faite d'air et de gouttelettes d'eau éparpillées, le garçon est impressionné. Mais l'immense Luigi s'agenouille devant lui et le prie de lui livrer la formule de la flanelle. Zin prononce « Fabriquée à l'autre bout du monde, la fleur ronde attend près d'une fraîche onde, Nestor la fronde. Elle s'appelle Cunégonde, la belle blonde, elle s'appelle Cunégonde. » Luigi ne revient pas. Il ne sait comment remercier Zin. À tout hasard, le garçon lui demande s'il ne pourrait pas aller sur la terre pour connaître ses parents. Se veut réjouir Luigi. Il peut rendre un service comparable à celui qu'il vient de recevoir. Il prend l'enfant sous son bras de nuage et le dépose devant un immeuble de la Cité des Fleurs, près de la gare d'Angoulême. Zin ne sait où aller. Mais il voit venir à lui un garçon qui lui ressemble comme un frère. Ce garçon lui demande s'il est Zin. C'est son frère, effectivement, Roger, qui le mène chez lui. Vous dire la joie des parents à découvrir leur enfant est impossible. Et de même, essayez de vous faire comprendre l'expression de Zin quand enfin il découvre son papa, sa maman, ses trois sœurs, Roger est impensable. Les débuts dans la vie charentaise sont difficiles pour Zin. On le réveille à une heure fixe pour qu'il aille à l'école, car il a 8 ans, mais le plus souvent, il reste au lit. Le soleil lui fait mal aux yeux et la nuit n'est jamais assez noire. En classe, les jours où il parvient à s'y rendre, il ne comprend rien à ce que dit la maîtresse et celle-ci ne comprend pas non plus quand il lui décrit la vie des djinns. De plus, l'école lui semble inutile. Il sait tout ce qu'il veut savoir sur la manière de réaliser un vêtement et il continue à confectionner dès qu'il le peut. Couvrant d'habits somptueux et difficiles à porter, tous les membres de sa famille, ses copains d'école, les voisins de ses parents et la maîtresse. Heureusement, il soulève l'enthousiasme de ses sœurs adolescentes qui adorent les robes excentriques faites de tissus inconnus ou oubliés. Elles déambulent dans les rues d'Angoulême, parées de traînes électriques sur lesquelles les passants n'osent marcher. Bien sûr, ces traînes leur demandent beaucoup d'énergie et elles rentrent chez elles absolument épuisées. L'arrivée de leur corps se double d'un mouvement rotatif sur le palier pour ramener tout le vêtement. Zin ne posait pas de tels problèmes aux anges et aux séraphins qui voltaient entre les astres sans se soucier de l'ampleur de leur boubou. Un beau jour, passe un homme d'affaires qui remarque la robe de l'une des sœurs de Zin. Il la suit jusqu'à l'immeuble de la famille et propose au garçon un contrat fabuleux pour créer des vêtements dans une maison de haute couture. Zin a créé des milliers d'objets en tissu prêts à être portés. Il faut juste les réduire à la taille humaine, car il n'oubliera jamais qu'il a habillé des déesses et des colosses et demeurera dans une démesure à l'échelle de l'univers.
quelque chose que je ne comprends pas.